Oh là là, ça fait vraiment une énorme montagne de Lego. Et les amis, salut, bienvenue sur Super Héros et Compagnie, je suis enfin de retour. Franchement, vous m'avez manqué. Si vous me suivez, vous avez vu que la semaine dernière, je n'ai pas beaucoup publié de vidéos, j'étais un tout petit peu malade, cloué au lit, impossible de faire quoi que ce soit. Et franchement, vous m'avez manqué, vous présenter des jouets m'a manqué énormément. Mais je suis de retour, je suis en pleine forme. Et on va commencer cette semaine par tout ça. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, je vous avais publié la photo de cette montagne de Lego et où, souvenez-vous, je vous avais demandé ceci. Je vous ai effectivement demandé par quel de ces sets vous souhaiteriez que je commence. Et voici ce que vous m'avez répondu. Vous avez été plusieurs à me demander et à me répondre le set Lego Movie 2. Eh bien les copains, comme Super Héros et Compagnie, c'est un peu votre chaîne également, je vais vous écouter. Et donc aujourd'hui, nous allons débuter par ce set Lego Movie 2. Mais avant de l'attaquer, eh bien si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram, où je mets quelques photos sympas que vous ne voyez pas pendant les vidéos, avant le montage, pendant le montage, et d'autres choses sympas, eh bien allez-y. Et suivez-moi sur donc Instagram, c'est très très simple, vous faites une recherche, vous tapez Super Héros et Compagnie et vous me retrouvez très très facilement. Alors on se retrouve donc sur Instagram, je l'espère, très très bientôt. Et maintenant, on y va, on va essayer d'enlever cette boîte sans faire écrouler tout le reste. Et voici ce que je vous propose aujourd'hui, une boîte Lego Movie 2. Il s'agit de la 70821, l'atelier de construction et de réparation de Benny et Demet. C'est une boîte qui est accessible à partir de 4 ans. Vous allez voir que les véhicules sont assez faciles à construire, un petit peu comme les Lego Junior d'ailleurs. Alors, voyons ce que nous avons. Bah là, on voit d'ailleurs comment le véhicule va être construit. Vous voyez que la base, elle est d'une seule pièce. Ça va être super facile. Et vous vous demandez sans doute, les amis, pourquoi j'ai choisi cette boîte de Lego. Si vous avez déjà vu la première boîte de Lego Movie 2, la grande aventure Lego, eh bien, vous savez que j'ai une affection particulière pour ces véhicules qui me rappellent mon enfance. Et effectivement, ce vaisseau a un look vraiment très, très rétro, comme les tout premiers Lego Espace d'il y a 35 ans. Alors, et en plus, ce qui est super chouette, c'est qu'on va pouvoir bien s'éclater avec, car on a... D'un côté, on a l'atelier en fait d'Emmett avec plein d'accessoires. On a son véhicule tout-terrain. On a ce superbe vaisseau spatial. Et on a en plus un petit véhicule d'exploration supplémentaire qui va là à l'intérieur. Et surtout, on a deux figurines. Bon, Benny, je l'ai déjà. Mais eh ben, Emmett, ce sera la première fois que je l'ai. C'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Alors, on va ouvrir cette boîte. Regardez combien de sachets nous avons à l'intérieur. Déjà, je vais faire un peu de place et on va enlever ces boîtes de Lego. Ça, ce sera pour une prochaine fois. On se retrouve en plongée en plein dans l'ambiance espace avec tous mes spacemen de quand j'étais petit. Et j'avais essayé de reproduire le nouveau qui est là, le petit vaisseau, avec mes pièces à moi. Plutôt ressemblant, non, vous ne trouvez pas. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, eh bien, je vous conseille vivement d'aller la voir. Et maintenant, les parties pour l'ouverture de la boîte de la grande aventure Lego Movie 2. D'ailleurs, qui d'entre vous va aller voir le film? Moi, je vais y aller dès mercredi quand il sortira le 20 février. Et vous, bah, mettez-moi dans les commentaires si vous allez le voir et si vous avez vu le 1 déjà. Moi, je l'ai vu il n'y a pas très très longtemps et franchement, j'ai adoré les aventures de Lucie et Demet. Alors, voyons ça. Le sachet numéro 2. Le sachet numéro 1, plutôt lourd. Pas mal de pièces à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, une grosse pièce. Ah bah donc ça, ça va être en fait la base de notre vaisseau spatial. D'accord. Et ensuite, eh bien, la notice de montage. Alors, on va voir combien d'étapes il va nous falloir. Ah, bah vraiment pas beaucoup. Hein. Regardez. 17 étapes à peine. Ça, ça veut dire que ça va vraiment être accessible aux plus jeunes. Et c'est pour ça qu'ils ont mis sur la boîte à partir de 4 ans.
Et maintenant, assez discuté, ouvrons le premier sachet pour commencer l'assemblage. Et quand je vois les grosses pièces qu'il y a dans ce sachet, ça me fait tout de suite penser au Lego Junior, et notamment au kit Lego Junior Cars 3. Là, on a la base et les roues de Miss Fritter. Ici, le fond de l'atelier, qui est une très belle impression. Pour une fois, ce n'est pas un autocollant. Il est très très joli. De toute beauté, comme dirait Dimitri de la chaîne Geekmitri, le grand spécialiste de Lego. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne dans la description, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc là, j'ai terminé de construire Emmett. Lui, il a deux visages. Un visage où il sourit, et là, où il est un tout petit peu plus énervé. Voilà, avec ses cheveux, il est enfin terminé. Ah, je suis super content d'avoir Emmett. Vraiment, il est super cool ce personnage, je l'adore. Et là, il est prêt à faire les réparations avec tous ses outils d'atelier. Et maintenant, bah justement, à propos d'atelier, eh bien, on va l'assembler. Vous allez voir que là aussi, c'est très facile. Vous allez le faire en quelques minutes à peine. Et voilà la partie atelier maintenant terminée. On construit à présent sa servante, la caisse à outils sur roulette. Alors tout se passait bien jusqu'à présent, mais tout d'un coup, c'est le drame. Houston, on a un problème, Houston, on a un problème. Il y a une pièce qui manque dans mon set de Lego. Et je crois que c'est bien la toute première fois que ça arrive, ça. J'ai jamais eu de soucis. À chaque fois que je pensais avoir perdu une pièce ou qu'elle manquait, eh bien c'est moi qui n'arrivais pas à la voir. Il me manque la deuxième pièce de ça pour pouvoir faire les roulettes de la servante d'Emmett. Et j'ai beau chercher dans les pièces qu'il me reste, eh bien, cette pièce-là, je la trouve pas. Elle est pas là. J'ai même regardé dans le deuxième sachet, et là, pareil, eh bien, il n'y est pas. Donc, c'est la toute première fois que j'ai une pièce qui manque dans un set Lego. Mais pas de panique, on va arriver à trouver une solution. Je crois que cette pièce-là, je l'ai. Je l'ai en double. Je vais aller voir ça, et je reviens immédiatement. Et voilà, voici la pièce. J'ai dû la shipper sur un des chariots du calendrier de l'Avent Lego d'Elisa de Super Lunette. Alors surtout, ne lui dites pas, elle serait vraiment pas contente. On va le mettre ici provisoirement. Si entre-temps, je retrouve la pièce, je vous tiendrai au courant. Voilà, mais là, c'est bon. La servante a ses roulettes, c'est cool. Stop, on fait une petite pause. Bon, bah, je suis désolé les gars, c'est une fois de plus moi qui étais en tort. Lego ne s'est pas trompé. C'est moi qui a perdu la pièce et entre-temps, je l'ai trouvée. Allez, on retourne au montage. Et on va mettre dessus et dans le tiroir tous les outils d'Emmett dont il aura besoin pour faire ses réparations. Et la petite clé en croix ici. Et maintenant, on est parti pour l'assemblage du véhicule d'Emmett. Vous allez voir, il ne faut que quelques pièces pour assembler ce superbe bolide. Pour le pare-choc, on a encore une fois de plus une belle pièce imprimée sans autocollant qui est vraiment super sympa. Franchement, elle a de la gueule. J'ai hâte de voir ce véhicule dans le film. Et en tout cas, il a l'air super puissant car comme vous le voyez, il y a carrément des flammes qui sortent du pot d'échappement. Un 4x4 qui roule en tout cas super bien grâce à ses 4 grosses roues et maintenant il est temps pour Emmett de l'essayer. Et voilà le travail, il n'y a pas à dire, c'est vraiment trop cool d'être maître constructeur. Et maintenant, en route, Lucie m'attend sans doute déjà. Et c'est parti pour la grande aventure Lego Contact. Mais je comprends pas, elle ne démarre pas, j'ai pourtant tout assemblé selon les instructions. Bon, je vais essayer de voir si je peux réparer. Alors, voyons voir, bah là, non, j'ai pas fait d'erreur. Là, ici, c'est bien serré. Jetons un coup d'œil à l'arrière. Ouais, bah là, c'est pareil, ça marche bien. Bon, bah, jetons un coup d'œil en dessous. Bon, bah, aucune idée, hein, ça devrait fonctionner normalement, tout est en place. Hey, salut Emmett, qu'est-ce que tu fais de beau? Hey, super chouette ton 4x4, dis donc.
Ouais, sauf qu'il avance pas et j'ai rendez-vous avec Lucie. J'ai suivi les instructions de montage, il n'y a aucune pièce à l'envers et pourtant elle n'avance pas. Et je suis déjà très en retard, je sais pas comment je vais faire pour arriver à rejoindre Lucie. Il ne me reste plus qu'à essayer de trouver autre chose à construire avec les pièces qui me restent. Mais là, je suis à court d'idées. Et si j'ai donné un coup de main à Emmett ? Non, Benny, ça va, c'est gentil, mais tu sais, je suis maître constructeur, ça devrait aller. Allez, s'il te plaît, laisse-moi jeter un coup d'œil. Bon, si t'insistes, tant qu'on y est, vas-y. Ouais, super ! Alors, voyons voir. Nous avons des pièces bleues, des pièces grises, des pièces jaunes. Ça y est, j'ai trouvé ! Benny, ne me dis pas que tu veux construire un vaisseau spatial ! Allez, on y va, c'est trop chouette ! Oh non ! Et nous allons donner un petit coup de main à Benny pour assembler son vaisseau spatial. On va commencer par le petit véhicule d'exploration lunaire. Il est tout mignon, tout sympa, assemblé avec quelques pièces, mais il roule super bien. Et en plus, vous allez voir, il pourra prendre place à l'intérieur du vaisseau spatial. Plus que quelques pièces et l'assemblage sera déjà terminé. Et voilà le travail, t'en penses quoi Emmett ? Eh bah franchement, félicitations Benny. Pour une fois, t'as fait un travail excellent. Et maintenant, allons rejoindre Lucie, on y va. Bah alors, tu viens Emmett ? Monte à bord du véhicule et viens me rejoindre dans le vaisseau. Et finalement, je vais peut-être même être à l'heure au rendez-vous avec Lucie. Trop cool, allez! Et sur ce coup-ci, je dois avouer que Benny a fait preuve d'énormément d'imagination. Il a même pensé à un logement pour faire rentrer le véhicule d'exploration dans le vaisseau. Benny, t'es trop fort! Attention, chers passagers, accrochez vos ceintures, le vaisseau va décoller! Lucie, on arrive! Et c'est parti! Wouhouhou! Il est excellent ton vaisseau Benny, mais il faut quand même que je trouve à un moment donné pourquoi ma voiture n'a pas démarré. Allez, vas-y, mets les gaz! Accélère à fond! Ok, Emmett, accroche-toi, puissance maximum! Attention, ça va secouer! Et on est parti pour l'aventure avec mon ami Emmett. Waouh les amis, cette boîte de Lego Movie 2, l'atelier de réparation de Emmett et de Benny, franchement, est une super boîte. Je suis certain que vous allez énormément vous amuser avec, car on a 3 véhicules et plein de possibilités de jeu. Et avant de terminer cette vidéo, il faut que je fasse un petit coucou à un ami qui est un grand fan de la chaîne. Il s'agit de toi, Théo. Tu habites Nice et tu as 5 ans. J'espère que tu as aimé ma vidéo et que tu apprécies également ce jouet. En tout cas Théo, je suis vraiment très content que tu aimes mes vidéos et que tu les regardes jour après jour. N'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu et vous aussi les autres amis, n'oubliez pas les pouces bleus ainsi que les commentaires. Et nous on se retrouve très vite, peut-être avec d'autres boîtes de Lego Movie 2, la grande aventure Lego. A très vite les copains, bye bye, ciao.